Meghan Markle et le prince Harry financeront leur propre sécurité pendant leur séjour en Allemagne, car les autorités ont classé leur visite comme un événement privé. Selon des informations, aujourd'hui, le duc et la duchesse de Sussex se rendront à Düsseldorf pour marquer l'année précédant les prochains Jeux Invictus. Le prince Harry a fondé les Jeux comme un événement de type paralympique pour les soldats militaires qui ont été blessés pendant leur service. Les sixièmes Jeux Invictus auront lieu en septembre 2023, après la tenue de l'événement de cette année aux Pays-Bas en avril. Cependant, la police a dit au couple royal qu'ils devaient financer leur propre sécurité pendant leur séjour dans le pays, a-t-on appris. La police locale fournira quelques mesures de protection, mais surtout pour contrôler les foules et la circulation. La police allemande placera des barrages routiers pour permettre au duc et à la duchesse de se rendre rapidement de l'aéroport au centre-ville afin qu'ils ne soient pas coincés dans la circulation. La police contrôlera également la circulation autour du bâtiment que le prince Harry et Meghan Markle visiteront. Le couple royal prévoit de se rendre à l'hôtel de ville pour rencontrer le maire de la ville Stefan Keller et se rendra également au stade sportif Merkurspiel où se déroulera l'événement sportif du prince. Harry signera son nom dans le livre d'or de Düsseldorf, où tous les visiteurs importants de la ville signent leur nom. Les Sussex profiteront également d'une croisière sur le Rhin pendant leur séjour en Allemagne, mais financeront leur propre garde de sécurité pour le court voyage en bateau, a rapporté le Daily Mail.